can fly away. Fly away. Canada, Juni, Hirogaru Panorama. Salut à tous et à toutes, c'est Draco77, donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors attention, ne zappez pas, et là je suis vraiment très sérieux, surtout regardez la vidéo jusqu'à la dernière seconde, parce que tout ce que je vais dire sera très important. Je suis vraiment sérieux. Donc juste avant, je vais faire un petit coup de pub pour l'un de mes meilleurs amis. Il s'appelle Kevin Figurine, hein, son nom de chaîne. Donc je mettrai le lien dans les commentaires. Donc allez faire un petit coup d'œil quoi. Voilà, allez jeter un petit coup d'œil. Ensuite, donc cette vidéo là, c'est pas plus particulièrement donc pour tout ce qui aura pas en fait avec les ventes de mes boosters plasma à Yale. Donc ça se vend assez bien, franchement là il me reste même pas la moitié de mon stock. Entre ceux que j'ai réservé, parce qu'il y en a qui en fait qu'ils allaient avoir leur argent et du coup qui vont l'envoyer très bientôt. Et ceux que j'ai déjà vendu, ça y va quoi. Donc il me reste. Ouais, une quinzaine quoi, un peu moins, et encore j'ai pas encore regardé ceux qui me demandaient pour avoir des boosters sur les commentaires, donc je vais regarder encore regarder. Voilà, donc quelque chose que je voulais dire donc juste avant, donc vous voyez, je vais vous mettre des cartes que j'ai mis, donc certaines que j'ai mis sur eBay à vendre, donc et je pourrais en même temps les vendre sur YouTube ici. Donc alors j'ai plein d'holos que j'ai eu en fait, comme ici en fait, qui sont pas en première édition, hein, c'est vraiment que du seconde édition, qui j'ai eu d'un vendeur japonais qui les vendait vraiment pas très cher, donc je sais pas s'ils connaissaient vraiment, mais enfin voilà quoi, j'en ai profité. Et du coup, bah j'ai plein d'holos, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 avec le Kirasena ici, donc je vais vous les montrer, tout en neuf, envoyé dans les pochettes, donc Simiabras Team Plasma, Mayazone Team Plasma, Lucario. Nostanfer Team Plasma, Togekiss, une Ace Pack, encore un Nostanfer, encore un Lucario, je crois qu'on avait déjà eu un, une Ace Pack mais pas la même, encore un Togekiss et un Smogogo de Team Plasma. Donc tout ça, je vends l'holographique à 4€, mais je peux faire, enfin c'est pour ceux qui commandent pas mal, enfin attendez, excusez-moi, et donc le Giratina, voilà. Quand même pas l'oublier de Team Plasma. Donc comme je l'ai dit, 4€ l'holographique, mais je veux bien un peu baisser. Enfin, il y aura une possibilité après, suivant ce que vous prenez, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a la Combatia Mini-X. Alors lui, je le vends sur eBay à 10€, il est 9. Voilà. Et le Victini-X. Alors lui, je vais le vendre à 15€. Voilà. Donc 15€, je trouve ça un prix correct hein, pour une X Full Art. En général, le prix va être à 20€. Là, je le mets à 15. Donc voilà, il sera sur eBay et je peux aussi vendre sur YouTube. Hein, vous pouvez m'envoyer le liquide, comme ça du coup sur eBay, bah, j'annule la vente. Voilà. Donc vous pouvez retrouver ça sur eBay pour payer par PayPal, donc par carte bancaire ou alors par liquide via YouTube. Donc voilà. Donc ça c'est fini. Ensuite, un autre truc que je voulais dire, vu que la vente était vraiment très bien et beaucoup d'entre vous étaient contents du fait que je vendais des boosters. Je me suis dit pourquoi pas continuer et s'attaquer à des séries plus récentes. Donc en fait ce que je vous proposais c'est que en fait, j'ai arrêté de dire en fait, je vais vous demander dans les commentaires de la description de dire quels sont les boosters que vous voudriez que je vende. Que ce soit attention japonais mais aussi coréen. Alors attendez, alors déjà japonais, je parlais japonais avant. Donc japonais, je peux avoir un peu de tout, hein. Je peux avoir du BW3, vous savez, avec Elblitzer et tout ça. Sauf qu'en fait, tout ce qui est assez ancien jusqu'à BW4, hein. BW4 c'est Dark Rush, ça reste un peu plus cher du coup vu que c'est plus introuvable. Sûrement seconde édition. Après, BW5 je devrais trouver en première édition. Même en deuxième, je pense que ça intéresserait pas mal. BW6 aussi. BW7, bah là, ce sera juste en seconde édition, du coup. Et BW8 aussi, bah les nouvelles hein, que je pourrais avoir en première édition aussi. Ça intéresserait beaucoup de gens. Je pense que beaucoup vont demander les BW8 à vendre. Ça, je le comprends. Donc, alors, et d'ailleurs, en BW8, vous pouvez me dire votre série préférée entre les deux. On sait jamais hein, si je peux en prendre 3, par exemple. Genre, si la majorité préfère Thunder Knuckles à Spiral Force. Et que j'ai décidé d'en prendre 3 de ces deux trucs, j'en prendrai 2 de Thunder et de Spiral, un seul, vous voyez, voilà par exemple. Ensuite, pour les boosters coréens, alors pourquoi je propose ça? Je sais que certains aiment pas trop le coréen, mais franchement, la seule différence en fait avec le japonais, c'est que c'est moins cher, parce que c'est un peu moins rare quand même, enfin faut dire aussi là-bas, leur but c'est vraiment de vendre vraiment les trucs à petit prix, et en plus,
Enfin, il y a juste l'écriture qui change un peu. En fait, l'écriture coréenne, c'est un peu plus, il y a un peu plus de rond, j'ai envie de dire, et ça fera un peu plus de place. Certains aiment pas ça, ils sont fidèles au japonais, un peu comme moi, j'ai envie de dire, dans un sens. Et d'autres, bah, le coréen, ça les gêne pas, et c'est vrai que finalement, le coréen, c'est les cartes YX brillent autant que que les japonaises, finalement. Donc, vu qu'elles sont moins rares, bien sûr, je les vendrai moins cher. Franchement, genre, les japonaises, là, ça va tourner, donc, comme toujours, 5,50 € les deux boosters, là ça va tourner à moins cher, hein. Franchement, je pense que je ferai des prix, genre je ferai vraiment 2 € le booster, déjà donc vas-y, ça fait un peu moins cher, et en plus, ce que j'ai décidé de faire, que si je prends des coréennes, si vous prenez 5 boosters, donc en gros 10 €, le sixième sera offert. Donc voilà, donc c'est vraiment une affaire à prendre, enfin je trouve, donc pour les coréens aussi, hein, dites-moi si ça vous intéresse, par contre pour les coréens, ça va, j'ai regardé, mais j'ai pas trouvé de place My Gale et de nouvelles séries. En fait, je pense qu'ils ont un retard et j'ai trouvé jusqu'à BW6, hein, c'est-à-dire Cold Flare et Freeze Bolt. Donc je vous préviens pour ça, mais voilà. Et tout ce qui est Dark Rush et tout, c'est vraiment trouvable, hein, pour ceux qui disaient, bon, en japonais, Draco va réussir à trouver. En coréen, ça sera facilement trouvable. Voilà. D'ailleurs, je rappelle que dans les box coréennes, il y a 5 cartes par paquet, bien sûr, mais il y a 30 paquets. Donc vous voyez, comme les offres que j'avais faites, ça va être peut-être intéressant pour vous. Voilà. Donc bah sur ce j'ai fini, hein. Donc proposez-moi donc comme j'ai dit dans les commentaires pour les boosters coréens et japonais. J'essaierai de prendre un peu de tout, hein, enfin suivant ce que vous voulez. Pour les holos et tout ça, je vous l'ai dit, hein, c'est sur eBay ou alors ici. Hein, j'ai dit les prix, hein, 4 € l'holographique, le Combatium EX 10 € et 15 € pour Victini EX. Et après voilà. Après j'ai toujours des cartes à unité, 10 centimes la commune, 20 centimes la peu commune, enfin voilà quoi. Et voilà, c'est tout. Voilà, mais bien sûr, je pourrais vous faire des prix si vous commandez pas mal quand même. Je suis pas non plus radin comme ça. Voilà. Donc bah j'en ai fini pour ça, écoutez. Et bah je vous souhaite à tous bonne rentrée, puisque là on est à la fin des vacances. Quand je mettrai la vidéo. On est voilà, à la fin, à la mi, on va dire à la moitié de la deuxième semaine. Et donc voilà, donc n'hésitez pas, comme j'ai dit, à regarder dans les commentaires, à visiter la chaîne que je vous ai proposée de Kevin Figurine, à vous abonner à ma chaîne si vous le voulez, à aimer la vidéo si vous voulez aussi. Et donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse et surtout, votez bien! Achoo!